Ici, c'est un peu le chantier aussi, non? Vous êtes un peu, comment dire, vous êtes tous en chantier. On voit, ça déborde. On dit souvent que les jeunes débordent, mais c'est vivant. C'est vivant, non? Tu n'es pas d'accord, Cousa? Quelle ambiance. Si vous êtes tous dans cette classe, vous n'êtes pas encore vraiment fini, quoi. Si vous avez encore des choses à faire, à devenir. Brazzaville, pour moi, c'est pareil. Ça devient. C'est comme une promesse infinie. Brazzaville qui peut tout devenir. Vous avez de la chance, tous, d'être comme ça dans votre classe en chantier. Vous pouvez tout faire. Vraiment, profitez-en. Même si ce n'est pas toujours facile, profitez-en. Puisque nous sommes dans une classe en chantier, nous allons profiter. Je vous explique. Le Congo Brazzaville. Le problème, c'est que... Bon, le Congo, c'est où? En Afrique. L'Afrique, c'est où? L'Afrique, c'est où? Au milieu de la terre. Au milieu de la terre. L'Afrique, c'est pas trop combien l'Afrique, c'est? En dessous de l'Europe. En dessous de l'Europe, ok. De l'Afrique, c'est ici. Le Congo, c'est là. En Afrique, notre continent africain. On va dire que le Congo, c'est au centre. Ok? Et ma tête serait en Tunisie. Le Congo, donc, c'est au centre. Et mes pieds, c'est en Afrique du Sud. Brazzaville, la capitale du Congo, serait donc à peu près là, au niveau de mon estomac. Le Congo Brazzaville, on l'appelle. Eh oui, parce qu'il y a deux Congos qu'il ne faut pas confondre. Ils sont très proches, l'un et l'autre, séparés juste par un fleuve. Le fleuve Congo. Kinshasa est juste en face de Brazzaville. Congo Kinshasa est plus grand que mon Congo à moi. Il prend carrément tout mon ventre. Et on peut mettre toute l'Europe dedans. Mon Congo à moi à côté est bien plus petit. Plus petit, pas grand chose. Tout comme la France. Et il y a les noms des autres pays africains. Par exemple, le Cameroun. Le Gabon, l'Angola. La Centrafrique, on va dire, c'est au niveau du mon diaphragme, par là. Le Niger, Mozambique, Zimbabwe. Des noms que vous n'entendez pas tellement. Ces noms, les pays africains ne les ont pas souvent choisis. On nous les a donnés. Et les frontières aussi. Brazzaville, la capitale du Congo, par exemple, ça vient de Pierre Savorgnan des Brazza. Pierre Savorgnan des Brazza. Brazza, Brazzaville. Un explorateur italien, naturalisé français, humaniste et pacifiste. C'est ce qu'il raconte Wikipédia. Alors qu'il a ouvert la colonisation française de toute l'Afrique équatoriale. En 1880, Savonne Brazza impose un traité au vieux Ramakoko, le roi de Batéki, par chef des tribus, Marwa, avec toute sa cour et le reste. Le Ramakoko est mort en 1916, c'est pas très vieux tout ça. On peut voir encore des photos de lui sur Internet. Son royaume allait jusqu'au Congo, enfin jusqu'au Gabon, sur les deux Congos, et une part de l'Angola. Savonne de Brazza n'était pas le pire de colon, mais est-ce que ça fait de lui un humaniste? Soixante ans plus tard, Brazzaville devient la capitale de la France. Ben si, c'est ça. 60 ans plus tard, Brazzaville devient la capitale de la France, si. Et donc, en octobre 1940, Brazzaville devient la capitale de la France libre, proclamée par le général de Gaulle, quand Paris là-bas était occupé par les Allemands.
Le Congo-Brazzaville a connu 70 ans d'indépendance, comme ici. Et nous avons connu l'indépendance 4 ans plus tard, comme ici. Si j'étais né 20 ans auparavant, j'aurais été un Français. Un Français de l'Empire colonial français. Je suis né 20 ans plus tard, donc je suis Congolais. Je peux t'inviter au Congo? Ah, super! Je ne fais rien de confidence alors, après tu auras ton visa. Excusez-moi, je vous écoute. J'ai dit que c'était une confidence.